m'appelle Latif Lassen, originaire du Maroc. J'appartiens aux provinces du Sud, le Sahara marocain. Nous sommes ici à Jouy-le-Moutier. Je suis venu ici, j'ai essayé de poursuivre mes études. Je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans. Et donc j'ai obtenu à l'époque un bac pro plus diplôme technicien supérieur. Et j'ai exercé chez un fabricant d'automobiles sans le nommer. Essayeur, ce qu'on dit essayeur, c'est travail sur le produit futur, essayeur sur piste. C'est-à-dire qu'une fois la voiture est conçue, c'est à peu près la carte blanche, c'est nous, dans mon métier, donc, d'essayer la voiture, tout ce qui est fonctionnel, le comportement de la voiture, la consommation, enfin. C'est-à-dire avant que le constructeur, bien sûr, homologue et puis commercialise le produit. Il y a des amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, bon, je suis bien sûr originaire du Sud, ça me concerne l'affaire du Sahara. Il y a eu l'idée de combler ce vide, créer une association pour faire parler de l'autre. Parce qu'il y a eu un moment où nos amis du gouvernement algérien, pour eux, Sahara égale Polisario, égale ceci. Or, le Sahara, il y a du monde au Sahara quand même. Hein. Ce n'est pas le petit tiers qui se retrouve dans le monde. Malheureusement, ça fait partie de notre famille. Je préside donc cette association qui a pour nom Association des tribus sahraouis marocaines en France et en Europe. Maintenant, depuis l'Europe, maintenant c'est en Europe, tout court, qui a travaillé à organiser des conférences, des débats, des rencontres, et aussi à chaque fois que quelques pèlerins viennent justement pour dire, pour passer un faux message, on intervient. On est intervenu à Mantes sur combien ? Quatre fois, on a organisé des débats. On a été participé aussi à Genève, à Bruxelles, à Rotterdam, à Mauvoisin, à Shell, la région parisienne. Un peu sur l'Europe, si vous voulez. On bouge un peu sur l'Europe, on envoie des délégations ou on vient carrément en masse. Aujourd'hui, les données ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est proche pour nous de la sortie de cette impasse. Il y a cette proposition que nous trouvons satisfaisante, proposition d'autonomie élargie sous la souveraineté marocaine, qui, quand on s'est réunis, on a regardé tous les adhérents et tous les membres de l'association, la majorité sont d'accord et sont pour. On travaille autrement aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille surtout à expliquer qu'est-ce que c'est que l'autonomie, à faire connaître qu'est-ce que c'est que l'autonomie. On a fait une rencontre au Sénat, on a fait une grande rencontre, oui, au Sénat et puis à l'Assemblée nationale. On travaille sur ce dossier à travers, si vous voulez, le Parlement européen. Je remercie donc juste pour l'occasion Al-Maghribia. Pour cette visite, pour donc cette occasion qu'ils nous ont offert pour essayer de dire un peu, de parler un peu de ce que subissent et les attentes, pour dire simplement les attentes de la communauté marocaine qui aime son pays et il faut que son pays l'aime aussi.